Les forces de sécurité irakiennes ont arrêté samedi un député sunnite de premier plan, Ahmed Al-Alwani, dans une opération qui a coûté la vie à au moins 5 personnes. Quand elles se sont présentées à son domicile, une fusillade a éclaté, coûtant la vie à 3 gardes du corps, à un frère et à une sœur du député. Ouvertement hostile au premier ministre chiite, Nouri al-Maliki, Ahmed al-Alwani est l'un des leaders du mouvement de manifestation organisé par les sunnites. C'est pourquoi un couvre-feu a été instauré dans la province d'Anbar après son arrestation.